Allez, avancez. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui nous suit. Retournez-vous et regardez. Il y a ici beaucoup de gens fins et rusés. Ainsi, prenez bien garde que quelqu'un n'observe par derrière notre déguisement. Appuyez avec bruit vos pieds en marchant. Que nous soyons à jamais déshonorés si les hommes pénètrent nos desseins. C'est pourquoi, saignez-vous, jetez les yeux de ce côté-ci et de ce côté-là vers la droite. De peur que cette aventure-ci ne nous tourne à mal. Mais hâtons-nous, nous voilà tout près de l'endroit d'où nous sommes partis pour aller à l'assemblée. Et déjà, l'on voit la maison de notre chef qui a enfanté ce noble projet agréé des citoyens. Nous n'avons donc aucun motif de différer et d'attendre. En gardant plus longtemps nos barbes à nos mentons, quelqu'un pourrait nous apercevoir et s'immiscer au milieu de nous. Ainsi, retirez-vous à l'ombre derrière ce mur et, en regardant de ce côté, changez votre costume et habillez-vous comme vous l'étiez auparavant et ne traînez pas. Car nous allons voir tout à l'heure notre général revenir de l'Assemblée. Que tout le monde se hâte et rougissez donc d'avoir encore votre barbe, surtout à la vue de celles qui viennent vêtues depuis longtemps comme à leur ordinaire. Mes amis, tout ce que nous avions projeté nous a réussi à merveille. Mettez donc bas au plus vite vos manteaux avant que quelque homme nous aperçoive. Quittez cette chaussure d'homme, déliez ces courroies laconiennes, laissez vos bâtons. Allons, toi, mamie, arrange ces femmes. Pour moi, je veux me glisser dans ma maison et, sans être aperçue de mon mari, remettre son manteau où je l'ai pris, ainsi que tout ce que j'ai emporté avec moi. Tout est disposé comme tu l'as ordonné. C'est à toi maintenant à nous apprendre par quels moyens nos services pourront être utiles. Nous savons parfaitement que nous n'avons jamais rencontré aucune femme plus habile que toi. Attendez un peu afin que je prenne vos avis sur la manière de conduire l'administration dont on vient de me charger. J'ai toujours eu à me louer de votre courage au milieu des troubles et dans les plus fortes crises. Et d'où viens-tu, Praxagora ? Tide ou mêlée, seuil toute. Qu'est-ce que cela te fait, mon ami ? Que cela me fait ? Quelle sotte question! Ou toi para tu moiku ge fereis. Tu ne vas pas me dire sans doute qu'il s'agit d'un amant. Non, peut-être pas d'un seul. Kaimen basanisai tuti ge soi exesti. Tu peux m'examiner sur ce point? Comment? Ei tes kefales ozo muru. Vois si ma tête répand l'odeur de quelque parfum. Quoi donc, une femme ne se prête-t-elle jamais à la galanterie sans être parfumée ? Non, pas moi, certes. Pourquoi es-tu donc sortie ce matin et où as-tu été avec mon manteau ? Une femme de mes amis, se trouvant en travail d'enfant cette nuit, m'a fait appeler. Eh bien, tu ne pouvais pas, avant de sortir, m'en faire part ? Cette femme, qui était près d'accoucher, exigeait que je fisse diligence. Mais au moins, tu aurais pu me le dire. Oh, il y a quelque chose là-dessous. Il n'y a rien, j'en jure par les déesses. J'y ai été comme je me suis trouvée au moment où celle qui m'envoyait guérir me faisait prier d'aller auprès d'elle le plus promptement possible. Ne pouvais-tu donc pas me prendre tes vêtements ? Au lieu de cela, tu m'as ôté les miens et tu t'es contentée de jeter sur moi ta casaque. Tu t'es ainsi en allée, en m'abandonnant comme un mort, si ce n'était que tu ne m'as ni couronnée ni laissée de lampe. Il faisait froid et je suis délicate et un peu incommodée. C'est ce qui m'a fait prendre tout cela pour me tenir chaudement. Pour toi, mon mari, je t'ai laissé dans ton lit avec une bonne chaleur. Mes souliers laconiens ont été de la partie, ainsi que mon bâton. Pour conserver le manteau, j'ai pris ta chaussure au lieu de la mienne et, à ton exemple, je faisais du bruit avec mes pieds en marchant. Je faisais aussi résonner mon bâton sur les pierres.
Sais-tu bien que tu as perdu un sétier de blé que j'aurais eu si je me fusse trouvé à l'assemblée ? Ne te tracasse pas pour cela. Elle a fait un gros garçon. Ecclésia ? L'assemblée ? Parbleu, non, cette femme que j'ai assistée. Naïm a dit « Ouk edesta me frasanta soictes ». Eh oui, par Jupiter, tu ne te rappelles pas que je te l'ai dit hier ? Ah, je m'en souviens à présent. Oud ara ta doxant oista. Tu ne sais donc rien des délibérations qui ont été prises ? En vérité, je ne sais pas le premier mot. Katesso toinun sepsas masomene humine de fasci parade d'ostai ten polin. Assieds-toi là et réjouis-toi. On dit que l'administration de la République est confiée à vous autres. Pourquoi faire ? Pour que nous filions ? Et non, du tout ! Mais pour que vous gouverniez ! Quoi ? Tout ce qui concerne la République d'Athènes. Par Vénus, cette ville jouira donc dorénavant d'une félicité parfaite. Comment cela ? Pour mille raisons. Les hommes audacieux ne les déshonoreront plus par des actions honteuses et criantes. Plus de faux témoignages, plus de délations, plus de... Au nom des dieux, ne faites pas cela et n'allez pas m'ôter le pain. Mon cher ami, laisse-la dire. Plus de voleurs, plus d'envieux du bien de leurs voisins, plus de gens sans vêtements, sans ressources pour vivre, plus d'outrages, plus de possibilités d'arracher toujours de nouveaux gages aux débiteurs. Voilà par Neptune de grandes promesses si on les tient. Mais je me charge de les réaliser au point que toi-même tu m'en rendras bon témoignage et que tu lui n'auras rien à répliquer. Voici enfin le moment où il faut que ton grand sens et tes pensées philosophiques s'évertuent. Puisque tu connais les moyens d'être utile aux femmes, tes amis. C'est pour le bien commun qu'il faut exercer cet art de parler, capable de faire briller un peuple civilisé par toutes les prospérités infinies qu'on peut goûter dans la vie et de prouver que ce qu'a vocation. Car notre République a besoin de quelques systèmes sagement combinés. Exécute donc aujourd'hui ce qui n'a jamais été fait ni connu auparavant. Aussi bien nos citoyens se lassent de revoir plusieurs fois la même chose. Mais ne tarde pas davantage, développe au contraire tes idées, les spectateurs n'aiment rien tant que d'arriver promptement au fait. Je me flatte de proposer des plans avantageux aux spectateurs, pourvu que leur prévention en faveur de leurs anciennes constitutions ne les empêche pas de goûter des idées neuves, et c'est ce que je redoute le plus. Et toute confiance dans leur goût pour les nouveautés, car nous n'avons rien tant à cœur que de courir après et de rejeter les vieilles coutumes.